je ne sais combien de notre aventure survie. Donc, comme vous pouvez le voir, il pleut, c'est magnifique, bête. Voilà. Cette vidéo est un tout petit test. Parce que je refilme avec Recordable, j'ai baissé la qualité. Parce qu'il y en a qui m'avaient fait des remarques et tout, que ça buguait et tout. J'aurais dit que je cherchais beaucoup d'applications. Du coup, je vais voir si je baisse la qualité et que j'enlève le son de la vidéo, ça va être mieux. Alors du coup, je vais faire un petit test. Et si ça marche, enfin, vous aurez des vidéos meilleure qualité. Alors comme vous pouvez le voir, il pleut, c'est moche. J'ai rien prévu à faire sur cette vidéo. Quoique, ouais, je vais vous parler un petit peu de certains trucs. Alors j'ai rejoint le Swift Clan. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai rejoint le Swift Clan. Donc c'est un clan de youtubeurs qui s'entraide et tout. Comme Rugby Cool. Et j'étais le rejoindre. Donc comme vous pourrez le voir, de toute façon, sur mon tuto fail, parce qu'au final, en fait, ça. Je vous expliquais pourquoi il était fail, parce que en fait, ça venait à la même chose que de. Tiens, je suis un Mexicain. Je suis un Mexicain. Je vais remettre mon skin. Que si vous mettez une torche de redstone toute banale en fait. Donc je vais rechercher un système mieux parce que celui-là en fait il était complètement raté. Donc ouais je vais pas changer de temps météorologique. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est une aventure survie, c'est pas cheat le premier. Moi je vais prendre ça. Hop, on va bécherel. Ça, j'ai deux graines. Sérieusement? J'ai deux graines. Pas sous de ma gueule non plus. J'en ai dans mon coffre quand même. Attendez, j'ai augmenté un petit peu la rondeur distance. Elle cherche bien. Voilà. Merci. Ouais, donc il y a toujours notre petit chalet, hein. Notre petit chalet. Ou alors on aménage le. Faudrait qu'on aménage le petit chalet. C'est quoi? Dites-moi dans les commentaires s'il faudrait qu'on aménage le chalet, tout simplement. Parce que moi, financièrement, j'en sais que dalle. Ce que vous voulez. Parce que moi, je suis en tech, tu vois. Voilà! Je vais trop vite là. Voilà! Épée! Champignon, va! Moi, je te fais des sauterelles et tout. Alors. Ici, on a. The fuck! This man! Genre, il y a des cochons et tout, c'est la fête. Ouais, ici, c'est la partouze, quoi. Ouais. C'est la partouze, hein. Tiens, pas crève. Alors, ouais, je tue ce mouton, hop, et là. Ouais, bon, hein. J'ai arrêté de foutre le nawa. Je m'enfuis! Je m'enfuis! Non, je m'enfuis pas. Bon, cette pluie me fait chier. Et je peux pas l'enlever. Alors, est-ce que c'est la nuit? Clairement, est-ce que c'est la nuit? Vous savez quoi? Je vais faire un wizard clair. Parce que. Franchement. Est-ce que au moins ils ont rajouté le wizard clair? Parce que je suis en passé 0.13.1. Ouais, non, il n'y a pas. Oh, cuétasse! Est-ce que je peux dormir? Je crois que c'est le matin. Alors, on va imaginer un petit peu. Comment ça va se passer à l'intérieur de cette baraque? Parce que si vous voulez, cette baraque elle ressemble à ça. C'est une baraque à frites, quoi. Une baraque à frites, le machin. Ah. Oh. Ah. Ta gueule. S'enferme. Bah, du coup, le balcon il est tout moche, hein. Alors, ici, est-ce que j'avais mis quelque chose? Non, ce coffre sert inutilement à rien.
Ça fait plaisir. Lol. Eh, là, moi je bouffe ça. Alors, on va me foutre à cuire ces côtelettes. Alors, ouais. Moi, j'imagine bien un petit coin, vraiment. Tout petit coin ou alors un bar à l'entrée. Genre là, il y a un meuble à ranger chaussures, je sais pas. On verra. Par contre, sur Minecraft feu, faut savoir quand même qu'il y a des. Ah, ta mère, fils de pute, tu m'as fait peur. Il y a des ressources. Attendez, j'ai posé un. What the fuck? Depuis quand c'est possible ça? Ça se trouve, c'est possible depuis toujours. Lol. What the fuck? Eh, c'est chelou, hein? Sur PC, je crois qu'on peut pas faire ça. Non, il me semble pas. Tant qu'il n'y a pas de sol, il te fait chier, il dit non. Je vais voir si pour la détruire parce que honnêtement ça va me prendre de la place pour mon phare. On va l'écrabouiller genre. Et puis on va foutre un phare. Ce serait mieux, non? Hein? Ce serait mieux, ouais. Parce que honnêtement, Jean-Michel va augmenter la distance d'affichage. Voilà, je cherche bien tout. Ce sera mieux comme ça. Ouais, ce sera mieux. Attendez, j'ai regardé combien on en est, 6 minutes 50. On est au calme! Alors ici, il faudrait. Moi, j'imaginais un port. Un port, genre, un port. Pas le port du Havre, hein. Ouais, mais par contre, faudrait terraformer toute cette colline-là, je pense. Parce que elle est relativement trop penchée pour faire un port, hein. Alors là, je vois bien des petits. Ouais. Par contre, il faudrait faire attention. Parce que là-bas, là, ici, il y a la limite. Y a la limite du monde. Donc, il faudrait faire gaffe. Mais ici, il y a moyen de faire un tout petit port. Genre. Voilà. Voilà. Yep. Voilà. Voilà. Là. Alors, j'avais dit qu'on allait cuire ça. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'épisode sur cette aventure. Oui, je suis super content de le retrouver. Ouais. Non, c'est un four qu'il me faut. Me disais bien. Hop. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux dormir? Non, je veux. Ah, je veux! Voilà. Vive la France. Alors, non, m'en fous de ta charcuterie de merde. Moi, je vous dis. Ouais, moi, je vous dis. Que tellement on se fait chier des fois que tu que qu'à la fin, tu dis pourquoi je tourne une vidéo. Bah, moi, non. On va peut-être récolter un petit peu de bois. Quoique, on va peut-être partir à la mine, ouais. Parce que j'ai des petites infos à vous dire. Moi je vous le dis, j'ai des infos à vous dire. Voilà, donc notre mine a commencé à être n'empêche bien profond. Ah oui, j'ai remarqué un bug aussi, regardez, quand on se met comme ça, on croirait. Il y a la pioche qui vient. Tant qu'il n'y a pas le bug graphique comme ça, t'as la pioche qui est rentrée dans le mur. Voilà. C'est cool. C'est cool, franchement. Moi j'adore les mecs qu'on fait Minecraft, quoi. Franchement. Ils ont pas cherché à régler les bugs qu'il n'y avait pas avant, c'est. Ils sont foutus une autre gueule. Là. Bon, là, c'est la réserve à gravier, j'ai l'impression. Attendez, je récolte de la bouffe. Mais je suis pas en. Il n'y a pas de monstre. Donc, relativement, ça peut servir à rien. Là, on avait trouvé du diamant, ça. On va descendre. Et là. Nice. Moi, je suis le premier chemin. Par contre, j'ai l'impression qu'on a. Ah ouais, là, il y avait le. Non, c'était là le diamant, ouais. C'était là avec la redstone. Oui.
C'est bon, je commence à me... Ah, punaise. Non, c'était de la redstone. Seriously? Ah non, bah non, il y avait du charbon. Charbon, ce serait important pour faire des torches, notamment. Ah ouais, là, on est vraiment au fond fond du sol, quoi. Jean-Pierrot, ramène-nous des glaçons. Jean-Pierrot, ramène-nous des glaçons. Moi, je suis super content. Vous pouvez, parce que je vais parler un petit peu avec des abo avec vous. Dites-moi, vous partez où en vacances? Moi, personnellement, je pars à Lille. Donc, Lille. Je sais pas si c'est une région, Lille. Putain, le mec qui part à Lille, mais c'est pas si c'est une région ou c'est une... Ça se trouve, tu sais, c'est juste une ville. Non, c'est une région, je crois. Non, c'est une ville. Non, c'est une région. Oui, c'est une région. Ça se trouve, je dis que des conneries. Attends. Il fait nuit, là? Sérieux, c'est? Là, donc là, c'est la caverne d'Ali Baba, forcément. Voilà, on s'était arrêté là. Moi, j'ai pas envie de miner, mais faut miner. Ou alors sinon, vous savez quoi? Non, on va pas miner. Parce que miner, c'est chiant. Même vous, je sais que vous, c'est chiant, miner. Notamment, je le sais. Fais pas tes airs de connard, là. Je sais! Tu bouges pas! Au pied! Waouh, gentil chien. Hop là. Alors, là, en fait, le son, le son, il est enregistré à part de Mobizen. Donc, peut-être que ça foutait ça, la merde. Et puis, même, j'aurais... Là, faut savoir que moi, j'ai qu'une tablette et un ordinateur, mais c'est un ordinateur à tout le monde, quoi. Donc, c'est vraiment pas... un équipement de folie parce que de base l'ordinateur il est à mes parents. Voilà. Ouais, je le dis en vidéo parce que je suis un peu... l'ordinateur est à mes parents. Donc c'est là où je fais mes montages et tout. Bon, j'arrive à faire des trucs pas dégueulasses. Mais c'est pour ça que souvent dans certaines vidéos ou sur PC, vous entendez des bruits bizarres. Et j'essaie de pas très parler trop fort, sinon après ils vont gueuler dessus. Voilà. 2 secondes. Mais c'est pour ça que au début j'avais hésité entre faire une chaîne. Enfin, au début ma chaîne, faut savoir qu'elle a évolué parce que avant c'était n'importe quel jeu. Genre ça pouvait être du Simpson Donuts ou tout ce que tu veux, ça aurait pas changé. Mais le problème c'est que maintenant moi je fais que du Minecraft. Enfin, que du Minecraft, il y aura un petit peu d'hors-série quand même. Parce que faire que du Minecraft sur la chaîne, c'est pas totalement ce que j'ai envie, c'est... Voilà. Mais franchement, j'aurais fait un petit hors-série avec Robbie Cool, par exemple. Comme ce qu'on a fait une fois sur Death Run Portable. Voilà. D'ailleurs, il y a 2 personnes qui se sont abonnées. Je leur fais coucou. Et à chaque fois que le niveau montera, je leur ferai un petit coucou. Et aux 50 abonnés, je prévois faire une vidéo pas setup. Parce que franchement, mon setup il est assez badass. Parce que faut savoir que j'ai quand même du un studio. Enfin, quand je dis studio, c'est pour faire plus professionnel. Parce que quand tu dis je tombe dans ma chambre, c'est pas forcément super stylé quand même. Moi je trouve que c'est pas stylé. Voilà, donc moi j'ai mon studio, mais il y a plus de... j'avais plein de trucs techniques. C'est-à-dire genre des lampes. Enfin moi j'ai une lampe. Parce qu'un jour, quand j'aurai mon propre PC, j'espérerai faire des facecams. Mais pour l'instant je peux pas parce que pour l'instant on veut pas. Enfin, pour des raisons de. Je pense de familière, de famille. Enfin voilà. Mais un jour peut-être je ferai des facecam. Et faut savoir que moi j'habite en Normandie. Voilà, je le cache pas. J'habite en Normandie. Enfin, plus exactement dans la Haute-Normandie.
Normandie. Parce que maintenant, faut que vous sachiez qu'on a changé de région. Maintenant, c'est Haute-Normandie. Donc voilà. Maintenant, on est en Haute-Normandie. Ok, tu m'as compris, putain. Voilà. Donc, du coup. Et bah quand t'es en Normandie, bah le temps il... Voilà, il est pas terrible pour faire des vidéos facecam. Donc, bah ce qu'on va faire, bah, c'est que j'ai acheté une lampe. Donc une lampe. Ouais, donc je voulais me dire, qu'est-ce que. Ouais, tu vas t'éclairer avec, mais ça te pourrit. Mais non, parce que ma lampe, elle éclaire beaucoup. C'est-à-dire qu'une fois, j'avais fait un dimanche parce que je me faisais chier, j'aimais bien Zendak. Donc Zendak qui fait des vidéos sur Minecraft, tout ça, il fait des Zendak challenge et tout. J'aimais bien regarder ses vidéos, tout. Donc du coup, j'ai fait un fan art de lui. Donc en gros, fan art, pour ceux qui savent pas, c'est un dessin de ton youtubeur, putain, tu sais. Et donc, ce que t'as fait, enfin ce que j'ai fait moi. Bah, j'ai fait un fan art. Sauf qu'à la fin, tu peux. Moi, je lui parlais sur Skype. Je lui parlais sur Skype. Sauf que. Moi. Et bah, ce que j'ai fait, bah. J'ai allumé. Entre guillemets, projecteur. Et bah, j'ai allumé. Et quand j'ai pris la photo, franchement. Si vous voulez, je la mettrai dans la vidéo. Enfin. Elle fait assez jaunie, c'est vrai, mais. Parce que. Je verrai pour la remplacer avec une ampoule blanche. Que là, c'est une ampoule jaune, tu vois. Du coup, c'est éclair jaune. Mais, franchement, pour une lampe, enfin, parce que moi, ma tablette, elle a une résolution de merde, quoi. Donc, du coup, faut savoir que moi, ouais, moi, coucou, c'est moi, tu veux voir ma bite? Moi, j'ai du coup, bah, ce que j'ai fait, bah, c'est ce que j'ai envoyé. Voilà, donc après la suite, ça vous intéresse pas, je sais très bien. Voilà. Sinon, moi, bah là, on va faire. En fait, je vous explique ce que je suis en train de faire. Ah, j'ai eu un big lag. Ici, il y aura le phare au final, parce que je m'en rappelle que j'avais dit que ici, il y aura un phare. Mais, je viens de me rendre compte que s'il y a un pont là, on pourra pas passer un dessus. Ou alors, vraiment, ou alors, le pont, on transforme pont souterrain, c'est-à-dire qu'il va passer dans l'eau, si ça va être une sorte de bulle de glace, qui va passer sous l'eau et qui va remonter là. Là, il y aura un petit bâtiment de sortie. Et tout, et tu pourras accéder à ça. Mieux de ce pont là. Moi, franchement, je dis, c'est vous qui voyez. Soit on laisse le pont, mais dans ce cas, on rallongit tout ça. Ça, c'est rallongé. Ça va être rallongé. Et on fait le port ici, genre une petite cabane. Alors, pour mon aventure survie sur Minecraft PE, je vais vous dire concernant, je m'inspire un petit peu de ce que fait je m'inspire un petit peu de ce que fait Neosprout, parce que ce qu'il fait, franchement, les bâtiments, ils sont juste énormes. Mais en tout cas, moi, je vais mettre le phare ici, parce que ici, il y a une sorte de rond, et ça pourrait être le phare qui va dire déjà de faire attention qu'ici, il y a une terre, putain, et c'est la mienne. Alors sinon, à la fin de l'aventure survie, quand je considérais que la saison 2 est finie, en tout cas ça va pas être aujourd'hui, hein, je vous le dis. Ça va pas être aujourd'hui, ça va ni être demain, ça va durer une bonne quarantaine d'épisodes, ces trucs. Et ben, je mettrai le monde en download, c'est-à-dire que au tout dernier épisode, où je pense que je ferai un bilan de tout ce que j'ai fait. Et bah, j'y arriverai. Le dernier épisode sera annoncé déjà dans l'avant-dernier. Dans l'avant-dernier épisode. Et dans la description, il y aura un lien pour avoir la map.
en téléchargement. Donc c'est-à-dire que vous l'aurez en solo. Et j'ai déjà fait un tuto comment mettre une map hein, sur Minecraft PE. Donc normalement à ce niveau-là, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de saucisse, comme je dirais. Ouais, il n'y a pas de saucisse. Ah oui, pour ceux qui connaissent Rubikool, parce que je sais qu'il y a un petit peu d'abonnés de Rubikool, je crois. Je pense même. Oui, il y a Mama Swag. Il y a Mama Swag qui est abonné à ma chaîne. Mama Swag. Non, 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 non. Pardon. Mama Swag, alors. Il y a Mama Swag. Donc, moi, je vous invite à aller voir Rubikool. Faut que je vous dise qu'il fait aussi des fun tags. Pour ceux qui savent pas, des fun tags, c'est... les trucs avec des têtes de troll ou alors même des trucs où tu trolls des gens. Moi, j'ai téléchargé un pack, genre je peux mettre des... Voilà. Je peux mettre plein d'autres trucs du genre tête de troll. Coucou, tu veux voir ma bite? Voilà, tu vois, je peux mettre plein de trucs. Il y a des possibilités tellement géantes que je n'arrive pas à les dire. Ensuite, il a créé une autre chaîne qui s'appelle RobbieFun. RobbieFun, c'est la chaîne où il fait justement ses funtages. Donc, du coup, bah, je vous invite à y voir. Il a sorti Fenrir le gentil chien, là, je sais pas trop quoi. Et franchement, je vous le dis, c'est marrant. Moi, je me suis pissé dessus. Sans déconner, je me suis pissé dessus quand j'ai vu le truc parce qu'il est trop marrant. Genre, il y a des armes en chocolat. Non, mais n'importe quoi. Voilà. Bon, on a combien de temps? 22 minutes. Je pense que je vais arrêter cet épisode-là. Parce que, au final, j'aurais un petit peu expliqué. Je vais appeler cette vidéo en... Alors. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis ciao ciao!